Dieu et notre roi, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes parce que vous êtes heureux de suivre ce message. Dans la vie pleine de défis, dans la vie des situations inexpliquées, le malheur qui atteint même le juste, alors qu'il fait tout pour plaire à Dieu comme Job, comment expliquer que Dieu permette certaines circonstances? Tu as des questions que tu te poses. Mais je voudrais que tu puisses comprendre une chose, c'est que si tu découvres qui tu es, d'où tu viens, ta vie ne sera plus la même. Et je sais que quand vous allez suivre ce message, comprenant que l'Esprit de Dieu vous a créé et que le souffle du Tout-Puissant vous anime, beaucoup de choses vont changer. Suivez ce message et vous allez comprendre que partout où vous êtes, n'oubliez pas qui vous êtes. Je dis encore, n'oubliez pas qui vous êtes. Suivant, et nous allons revenir. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que cette gloire et cette puissance se manifestent dans la vie de chacun de tes enfants. Prends plaisir dans ce culte. Et merci de nous faire beaucoup de bien au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit trois fois Amen. 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 Oh, acclame bien le roi. Acclame bien le roi. Acclame bien le roi des rois et le Dieu vivant. Y a-t-il quelqu'un qui peut pousser un cri de joie dans la présence de l'Éternel? Yes! Alléluia! Amen! Amen! Veuillez vous asseoir, bien-aimés, dans la présence du Seigneur. Bon vendredi, na bosa semaine ensemble. Comme nous venons de le chanter, notre Dieu est digne d'être adoré. Il est le way maker, celui qui fraye le chemin. Il est le promise keeper, celui qui garde et qui maintient ses promesses. Miracle worker, il est celui qui opère des miracles. Et notre Dieu, il est la lumière dans les ténèbres. Light in darkness. Alléluia. Et tout ça, c'est ce qu'il est, c'est pourquoi nous l'adorons. Veux-tu prendre 30 secondes pour acclamer ce Dieu et le glorifier? Veux-tu prendre 30 secondes pour le lever et le dire? Merci, merci, merci roi des rois, merci Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Merci éternel. Que cette gloire soit à toi et à toi seul. Que cette gloire soit à toi et à toi seul. Dieu, au milieu de ton peuple que nous sommes. Pâturage. Alléluia. Le troupeau que ta main conduit. Tozali oyozo kamana loboko na yanguya. Dieu, tu es Dieu. Aucun mot ne peut suffire. Ozanzambe, ozanzambe. Tu es Dieu. Otikali nzambe. Prends plaisir au milieu de ton peuple qui t'aime. Sepela na biso na tongo alelo. Et que tu nous fasses du bien. Nous sommes venus dans la joie. Sala biso bolamu poto ye na yango. Amen. 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 Gloire à l'agneau de Dieu. Kembo na mwana pate na Yahweh. Avec l'esprit, libérez les nations. Il ne faites rien sans le Saint-Esprit. Alléluia. Dans tout ce que vous entreprenez, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez enivrés du Saint-Esprit. Dans le monde, ne conduisez pas, ne prenez pas le volant en état d'ivresse. Mais dans les choses de Dieu, ne prenez pas le volant sans être ivre de l'esprit. Sinon, vous allez commettre des accidents, soyez ivre de l'esprit. Et lui-même va prendre la direction de toutes choses. Celui qui est prêt ce matin va être enivré encore parce que l'esprit de Dieu est déjà enseigné. Pour vous aider à avancer, à conduire et à marcher avec, dans la situation du jour qui vient. Celui qui le croit dit Amen. Amen. Ouh, Dieu va nous faire beaucoup. Il a déjà commencé. Amen. Amen. Il est en ces lieux. Aza Awa. J'accueille Maman Solange, n'est-ce pas? Nayambi Maman Solange Boyete.
Bienvenue, Maman Solange Kalongi. Elle est à Djobourg, c'est l'épouse de notre ancien Tadé. Maman Solange, allez moi aussi à ancien Tadé. Et nous sommes heureux que vous soyez dans notre chaleur de Kinshasa. Nous sommes heureux comme ça. Nous avons besoin de payer les sonas. Dieu nous en a donné parce qu'il connaît, il sait que nous en avons besoin. Et c'est ainsi qu'on est en bonne santé. Quelqu'un dit Amen. Que ce temps vous soit favorable. Mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu est en ces lieux. Vous savez, nous avons vu le dimanche passé un texte de notre thème dans Job. Job, un livre qui pose la question du pourquoi de la souffrance des hommes. Vous allez d'un accident à un autre. Vous perdez du travail. Une maladie compliquée vous attrape. On vous roule et on vous escroque, vous n'avez plus d'argent. C'est le deuil ou le décès qui vient dans votre maison. Un être bien-aimé est en difficulté. Oui, pourquoi les hommes doivent-ils souffrir et Dieu le permet? Non seulement pourquoi les hommes souffrent, mais qu'est-ce qui peut permettre que Dieu accepte que le juste qui le craint souffre? Aussi. À l'instar de Job qui lui faisait tout, même pour ses enfants à leur improviste. Parce qu'il craignait Dieu. Mais voilà que subitement le mal tombe sur lui. Il veut perdre son mariage parce que la femme voudrait qu'il meure et comme ça il maudisse Dieu. Et non seulement dans cet état, il a une maladie dans l'état terminal. Un ulcère tel que personne ne pouvait supporter de le voir. Pourquoi Dieu permet-il ce genre de choses? Une bonne question qu'il faut se poser. Mais dimanche, le vendredi, l'ancien Guilain nous a... Dans le livre de Job, il n'y a pas que le chapitre 1, 2, 3, 4, 5. Il y a aussi le chapitre 42. Je rappelle ceci, dans le livre de Job, ne vous arrêtez pas seulement à lire le chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais il faut savoir qu'il y a le chapitre 42. Où Dieu vient maintenant exposer ses voies droites que nul ne peut obscurcir. Et il bénit au-delà de ce que vous avez déjà connu comme bénédiction. Je veux que vous puissiez suivre ce message parce que Dieu vous mène quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Amen. Lisons Job chapitre 33, verset 4. Nous avons vu ainsi les amis de Job qui sont venus lui faire un counseling. Ils sont venus lui faire une cure d'âme. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'un juste souffre. Il doit avoir péché, il doit se repentir. Pour que Dieu lui pardonne. Bien aimé, j'aimerais te dire que c'est vrai que quand tu pèches et tu vis mal, le malheur peut arriver. Mais c'est aussi vrai que Dieu peut permettre certaines choses parce qu'il a un plan pour toi. Et alors il y a un jeune homme qui était complexé. Il est complexé, donc il dit je suis devant les grands. Je ne peux rien dire, je les écoute seulement. Je suis devant des cheveux blancs. Et Job ici, c'est un grand mopao dans ce pays, dans ce pays. Mais moi, est-ce que je peux me tenir devant lui et commencer à lui prodiguer des conseils? Quand les Job ici passaient, c'est nous qui étions à côté en train de les admirer. Et aujourd'hui, moi, non. Il reste à côté, il écoute. Il se dit, les grands vont se parler. Les sages vont régler la situation. Mais il constate une chose. C'est que
Il ne doit pas mourir dans le complexe d'infériorité. Il ne doit pas vivre en se sous-estimant. Il ne doit pas se mettre une étiquette particulière qui est différente de celle que Dieu lui a donnée. Alors l'esprit commence à bouillonner en lui pour lui dire: c'est toi qui as la solution, mais regarde comment la situation se complique. Maintenant écoute ce qu'il dit pour convaincre son auditoire. Il fait une revendication qui doit être la nôtre aujourd'hui. Nous la lisons dans Job 33, verset 4. Job 33, verset 4, écoutez ce que la Bible dit. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Oh, quelles affirmations! Oh, yo kondimisa manine. L'Esprit de Dieu m'a créé. Molimo na nzambe ekelangai. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Pepe mana oyazali na nguya nyonso eza koningisa ngai. Mes frères et sœurs, il faut retenir ceci par cœur et le réciter même quand vous vous réveillez du sommeil. Oye sengeli tokanga ngona makansi na biso pe na motema to lobaka ngota nyonso kotola. Et c'est ça le thème de ce mois. Et la fois dernière, quand nous avons vu comment David exprimait cette vérité autrement, nous avons lu le psaume 139. Psaume 139, 13 à 18, celui qui peut le lire, mais il dit ceci en substance. Quand je n'étais qu'une masse informe, dans le sein de ma mère, tu me voyais. Tu m'as tissé. Oh mon Dieu, tes œuvres sont admirables. Donc il constate qu'il est l'œuvre de Dieu. Tout ce qui est l'œuvre de Dieu est un chef-d'œuvre. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Je vais reprendre cette affirmation. Tout ce qui est l'œuvre de Dieu est un chef-d'œuvre. Dis à ton voisin: je suis l'œuvre de Dieu. Na salami na nzambe. Donc, boye, je suis un chef-d'œuvre. Alors, en ce moment-là, quand je me mets à marcher, à agir ou à faire quoi que ce soit, je dois le faire dans l'excellence. Parce que celui qui m'a fait est excellent. Ce n'est que de la manière dont je vais m'apprécier, m'admirer, m'aimer, me considérer comme Dieu me considère. Que je peux maintenant aimer mon prochain. Parce que l'amour que je dois avoir de mon prochain ne doit pas être au-dessus de celui que j'ai pour moi. Mais ça doit être comme, je dois être la mesure, je dois être le niveau. Alors, il dit: mais tu as des idées, des pensées pour moi, tu as des projets pour moi. Mais ces projets sont insondables. J'ai essayé de sonder là-dedans. J'ai découvert certaines choses. Mais quand je me vais, je n'ai pas encore fini. C'est comme du sable. Mes frères et sœurs, tu as besoin de toute une vie et de toute une éternité pour accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé. Si tu peux avoir réalisé une grande chose aujourd'hui, mais sache qu'il y en a encore que tu peux réaliser. Parce que tu n'épuiseras jamais avant de mourir ce que Dieu a prévu pour toi. D'ailleurs, la mort n'est qu'un passage d'un stade à un autre stade de la vie. Pour continuer à vivre son destin, Dieu a créé tout pour un but. Même le méchant, pour le jour du jugement. Nous devons comprendre cela. Alors, quand je vois ce jeune Eliou qui sort de son complexe, qui sort de sa crainte, qui refuse de se laisser intimider par les autres, je me dis: mais qu'est-ce qui est à la base de cela? J'aimerais dire ceci: ne vous laissez intimider par personne, qui que soit. Dites amen, j'ajoute quelque chose. Amen. Si quelqu'un réussit à t'intimider, c'est avec ton autorisation.
Si tu vois que tu es intimidé ou tu es en train de paniquer devant une situation ou devant quelqu'un, c'est avec ton autorisation. Et tu peux refuser de l'être. Qu'est-ce qui peut t'aider à refuser de l'être? Elihu nous donne la réponse. Elihu a pensé yanoao. L'Esprit de Dieu m'a crié. Molimo nanzambe nde kelangai. Le souffle du Tout-Puissant. Je ne voudrais pas aborder la deuxième partie de cette phrase. Aujourd'hui, je commence avec la première. L'Esprit de Dieu m'a crié. Je suis un chef-d'œuvre. Ma source est dans celui qui est au-dessus de tous les noms. Pourquoi dois-je paniquer? Mais avant qu'il ne le dise, écoutez ce qu'il a poussé à le dire. Je voudrais que nous puissions aller reculer au chapitre 32. Tout ceci nous rappelle ce que nous avons vu la fois dernière. Mais c'est pour que nous puissions saisir le sujet du message d'aujourd'hui. Écoutez le sujet du jour. L'Esprit de Dieu m'a créé. La fois passée, c'était tout droit réservé. Mais aujourd'hui, c'est je sais qui je suis. L'Esprit de Dieu m'a créé. Je sais qui je suis. Bien aimé, moi, quand je laisse même mes enfants aller n'importe où, où ils sont loin de moi, je peux donner un nombre de conseils. Mais après, j'ajoute, dans toutes les circonstances, n'oublie pas qui tu es. Tu vas rencontrer toutes sortes d'amis, toutes sortes de collègues, toutes sortes de situations. Sache qui tu es. Je voudrais aussi aujourd'hui, bien-aimé, vous aussi, partout où vous irez, dans tout ce que vous ferez, quelles que soient les circonstances, sachez qui vous êtes. Et ce n'est qu'en sachant qui vous êtes que vous saurez vous comporter d'une manière ou d'une autre devant les gens. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. L'Esprit de Dieu m'a crié. Je sais qui je suis. Alléluia. Amen. Et dès que je me dis ça, ceux qui n'ont mis l'obéli boyé, ne crois pas que tu peux m'intimider. En faisant quoi que ce soit. Parce que je suis là assis dans mon identité. L'Esprit de Dieu m'a créé. Tous les droits sont réservés à mon Créateur. L'Esprit de Dieu m'a créé. Je sais qui je suis. Alléluia. Alléluia. Amen. Job 32, 6 à 10. La Bible dit ceci. Nous sommes en train de comprendre qu'est-ce qui a été à la base de ce que ce jeune homme a dit qui nous inspire aujourd'hui. Après que les trois amis de Job aient fini leur discours et tout ce qu'on a entendu que vous pouvez lire, ce jeune homme découvre qui il est. Avant qu'il n'ait découvert qui il était dans la foule paniquant, n'ayant, croyant qu'il ne peut pas s'approcher à la cheville de ses hommes. Soit une révélation, son comportement change. Et c'est ce que Dieu veut qu'aujourd'hui nous puissions arriver à voir. Job 32, 6 à 10, la Bible dit ceci. Elihu, fils de Barakel, de Bouz, prit la parole et dit, je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, voilà son état avant. J'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse.
Mais maintenant, c'est ça la nouvelle situation. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence, l'entendement, la compréhension, le discernement. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Si vous comprenez le cercle vertueux de la sagesse. Alléluia. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Dès que j'ai compris cela, voilà pourquoi je dis, écoute-moi aussi, j'exposerai ma pensée. Sortons vite au verset 17 à 22. Très, très rapidement, verset 17 à 22. 17 à 22. À mon tour, je veux répondre aussi. Maintenant, il est décomplexé à cause de ce qu'il a découvert. Je veux dire aussi ce que je pense. Car je suis plein de paroles. L'esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, Alléluia. Comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je n'aurai point égard à l'apparence. Et je ne flatterai personne, car je ne sais pas flatter. Si je flattais, mon Créateur m'enleverait bien vite. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. On acclame bien le roi des rois et le Dieu puissant. Alléluia. Mes frères et sœurs, je voudrais que nous puissions nous attarder sur cet aspect des choses. La découverte de qui vous êtes change tout dans la vie. Vous n'êtes pas créé par hasard. Vous avez une source. Et dès que vous vous déconnectez de la source, c'est un principe universel. Vous avez décidé de mourir. Parce que toute chose doit vivre attachée à sa source. Toute chose doit vivre se nourrissant de sa source. Et vous, votre source, c'est Dieu. Quand j'examine Genèse pour voir comment Dieu a créé le monde, pour créer chaque chose, Dieu regarde à la chose. Il dit une parole et il déclare et la chose est. Il a créé des plantes en regardant la terre. Et tout ce qui doit avoir de la semence a poussé pour continuer à se reproduire. Bien-aimé, il a parlé ainsi, mais quand il est arrivé le moment où il devait créer l'héritier de ce monde, quand il est arrivé le jour où il devait se reposer pour que quelqu'un d'autre continue le boulot, Dieu a convoqué un conseil. Il a dit, faisons l'homme à notre ressemblance, selon notre image. Et la Bible dit, en se regardant à lui, plus à la terre, plus à l'air, plus à l'eau, mais il se regarde à lui-même, la source de l'homme. Il les créa, mâle et femelle. Homme et femme, il les créa. Et Dieu leur dit, soyez féconds, Bobota, multipliez, Bofulukisama, remplissez la terre, Botondisama bele, sujettissez, Bokonza yango. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu t'a créé. Talanti na nzamba kelela yo. Ce n'est pas pour que quelqu'un d'autre te domine. Ezate po mutu musu soya ko konza yo. Ce n'est pas pour que quelqu'un d'autre t'intimide. Ezate po mutu ayako kisa yo. Ce n'est pas pour que quelqu'un d'autre fasse de toi son esclave. Ezate po mutu ako miso bo inaye. C'est pour qu'en partenariat homme et femme. Ezapo bozala na lisungi. Nous puissions régner dans la vie. Et pour le faire, chaque chose doit rester attachée à sa source. Pourquoi?
Parce que ce qui est dans la source donne les ressources. Au produit de la source. Et ce qui est dans la source. Et dans ce que la source a créé. Alors si ta source c'est Dieu. Ce qui est en Dieu est à toi. Ce qui est en Dieu est en toi. Au moment que tu te trouves devant quelqu'un. Tu te trouves devant une situation. Tu commences à paniquer. Oh, c'est les cheveux blancs qui vont parler. Oh, c'est les gens qui ont des moyens qui vont agir. Oh, il n'y a que les blancs qui peuvent faire ceci. Il n'y a que ceux qui ont des grands diplômes qui peuvent faire ça. Eh bien, tu oublies qui tu es. Et dès que tu te souviens, l'Esprit de Dieu m'a créé. Je peux n'avoir pas eu de grands diplômes. Je peux n'avoir pas eu de grandes positions dans la société. Je peux n'avoir pas eu ceci ou cela que les autres ont. Mais je me compare à qui que ce soit. Sur base de ces choses-là, je regarde à qui je suis et je sais pourquoi il m'a appelé. Et dès que je sens cela, je peux me lever gaillardement parce que je suis sur le chemin de mon destin. Je suis sur le chemin de la raison pour laquelle mon Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu m'a créé. Quand j'affirme que l'Esprit de Dieu m'a créé, j'affirme qu'il est ma source. Et quand j'affirme qu'il est ma source, ce qui est de lui est en moi. Et il ne suffit seulement que je sache développer ce qu'il a mis en moi. Bien-aimé, 5 questions que vous devez vous poser. Je m'adresse à ceux qui sont abattus et découragés aujourd'hui. 5 questions que vous devez vous poser. 5 questions essentielles pour vivre une vie réussie. Première question. Qui suis-je? Nazali nani? Il y a des gens qui ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas répondu correctement à cette question d'identité. Quelle est ton identité? Yo ozali nani? Il y en a qui sont dans des conditions les plus compliquées encore aujourd'hui. Juste parce qu'ils n'ont pas eu la bonne réponse à cette question. Et ceux qui ont eu la mauvaise réponse se sont retrouvés dans des conditions compliquées parce qu'ils étaient au-delà de leur appel. L'Esprit de Dieu m'a créé. N'oublie pas qui tu es. Deuxième question. Motuna mi balé. Une question de source. Motuna moko ya liziba. D'où viens-je? Je viens d'où? Nauta wap. Quelle est ma source? Liziba nanga za wap. Il y en a qui croient que leur source c'est leur tribu et leur. Ba msusu ba kanisi liziba na bango za bamboka na bango ba uta. To ba région na bango. Parce que il y a za mutuya. Ngana za mutuya. Oh, biso batuya. Surtout quand les élections vont venir ici. Ndenge mapona mezo ya wali boso. Si vous vivez et vous comportez devant les gens sur base de ce genre de considération, vous allez vivre mal. Okobika bomo ino mabe. La vraie source. Liziba ya solo. Qui est ma source? Quelle est ma source? Liziba nangeza nani? Dis à ton voisin, ne rentre plus dans le tribalisme. Kosongi la tribalisme était. Dieu te donne le monde entier pour que tu le possèdes. Nzamba pesa mokili mobimba. Yo zozo ba. Tu rentres dans le clanisme. Oh biso toza batu ya. Biso to uti, biso to uti. Dans la congrégation de Wapi. Ça, c'est le comportement de quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Si on t'invite dans les réunions de venez, nous allons réunir nous les gens, les ressortissants des. Refuser, c'est déjà un mauvais motif. Bakitisio makas. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, moi je veux prêcher le tribalisme chrétien. Il faut être un tribalisme chrétien. Au moins là, nous savons
Qui nous a créés? Dis à ton voisin. Wana tribalisme chrétien. Tribalisme chrétien. Oya kelabiso yebani. De ceux-là dont la seule source c'est Jésus, bon, de ouais, ceux-là non. Dont le seul source c'est Jésus-Christ, et tu peux dire l'Esprit de Dieu m'a créé et je m'accroche à tous ceux avec qui j'ai la même source. Oh. Yes. Alléluia. Amen. Sans le comprendre, ce jeune homme qui avait la solution pour décanter la situation allait rester comme ça et laisser la situation so pourrir. Troisième question. Motuna yambi satu. Quel est mon but dans la vie? Amen. Tu es là pourquoi? Ozana mokili pona nini? Il y a des gens jusqu'à 55 ans, il fait toujours le jeu l'honneur. Ezana batu bakomi na 55 ans d'âge, azoko makaka par la présente, j'ai l'honneur. À cet âge-là, tu veux encore qu'on t'emploie pourquoi? Au commun à 55 ans, yobazo na musale bongo bana 15 à 20 à 18 tabako sala ni. Attends à 40 ans. Et cet âge là. 40 ans peut-être yomoko entre nous. Donc jusqu'à cet âge là, tu ne sais pas encore pourquoi tu existes. Au commun à 55 ans, oyebite po ani okilama. Bien-aimé. Molinga minanga. Je prie qu'aujourd'hui à l'âge où tu écoutes cette parole, Nambulo comme nango ozoyo kabiso tozo te yawa. Je te révèle pourquoi tu existes. Nzamba so solisa yo zali po na nini? C'est alors que tu sauras même choisir les études à faire. Parce que tu ne vas pas seulement étudier pour avoir des diplômes. Mais tu vas étudier parce que Dieu t'a montré que ton but est là, mais tu dois affûter tes connaissances. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Amen. Que celui qui a un problème d'identité reçoive la révélation par l'Esprit aujourd'hui. Que celui qui ne sait pas d'où il est tiré, qu'il sache quelle est sa source aujourd'hui. Et que celui qui ne connaît pas le but de sa vie puisse découvrir ce but au nom de Jésus. Vous savez, pour n'avoir pas connu son but, les gens ont fait de mauvais mariages. Ils ont fait des mariages sur base des réactions chimiques dans la tête. Parce que j'ai regardé, j'ai senti mon cœur bouger. Toi, tu crois que tous les jours, quand tu allais vivre, ton cœur continuera toujours à bouger. Mais si tu sais pourquoi tu existes, tu vas prendre un autre toi-même, tel qu'ensemble, vous puissiez continuer à glorifier Dieu, parce que vous connaissez votre esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Je déclare la découverte de votre partenaire. Amen. Pour que vous puissiez marcher et avancer. Alléluia. Connaissant votre but, est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Quatrième question. Motuna yaminei. De quoi suis-je capable? Vous savez, quand Dieu vous crée, il met en vous des dons et des talents. Ce sont ces dons-là. À celui-ci, il en a donné deux. À celui-là, il en a donné cinq. À celui-là, il en a donné quatre. N'envie personne pour le nombre de ces talents. Les talents sont des semences. Tels que quand vous les plantez dans la vie, vous moissonnez et vous accomplissez ce pourquoi Dieu vous a créé. Il faut découvrir non seulement qui vous êtes, non seulement qui vous a créé, non seulement quel est votre but, mais pour atteindre ce but, qu'est-ce que Dieu vous a donné comme talent, comme qualité, comme capacité. Et il y en a en vous. Il y en a en vous. Eliou a le biboy. Je croyais que le nombre d'âge va parler. Ils vont discerner le jugement. Ils vont faire ceci. Mais j'ai compris qu'en moi, il y a quelque chose. Oh, bouge, dis à deux trois personnes. Nazana est loco. Nana est loco. Nana est loco. Bouge, le tu as l'autorisation. Bouge, dis à quelqu'un. Nana est loco. Nana est loco. Nana est loco. Dis-le, déclare-le. Oh, mais voilà, il a peur. Si tu y as, Nana est loco. Reste assis parce que tu n'en as pas. Mais si tu y as, dis-le à deux, trois, quatre personnes. Nana est loco. Oh, que celui qui a les locs acclame le roi de moi et le Dieu vivant. Alléluia. Nana est loco. Yansambe. Pousse un cri de joie parce que ça n'a éloqué. Pousse un cri de joie parce que ça n'a éloqué. Alléluia. Yo kabiso. N'a éloqué. Oh non,
Ton voisin te demande pourquoi tu ne m'envies jamais. Nous envieux toi, je ne peux pas t'envier, Cinquième question. Motuna mitano yango. Où est-ce que je me rends la destination? Nazo kende. On ne tourne pas en rond dans la vie. Kozungulukakate sika moko na bomo. Parce que tu sais qui t'a créé. Oyebi nani akelayo. Tu sais d'où tu viens. Oyebi pa yuta. Tu sais de quoi tu es capable. Oyebi makoki nino zanango. Tu connais ta raison d'être. Oyebi ntina bozalisa minayo. Tu vas quelque part. Ozo kende siko emona ni polele. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. La Bible dit. Bible lo biboyi. Ceux qui connaissent leur Dieu. Baebayebi nzambe na bango. Ça, c'est Daniel qui le dit. Oh, Daniel, ils feront quoi? Ils agiront avec fermeté. Mais ça veut dire en d'autres termes, ceux qui ne connaissent pas leur Dieu vont toujours être hésitants. Oh, quand ils agissent, je ne sais pas, c'est peut-être sans fermeté. Ils prennent des choses sans fermeté. Ils entreprennent des choses sans fermeté. Ils conseillent des gens sans fermeté. Mais ceux qui connaissent leur Dieu, qui ne sont pas traîtres des alliances, c'est Daniel 12:32. Ils agiront avec fermeté. D'autres versions disent qu'ils feront des exploits. L'Esprit de Dieu m'a créé. Je sais qui je suis. Et tu peux te tenir debout parce que tu sais qui tu es. Je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Parce que jusque-là, ils sont confus. Ils tâtonnent à gauche, à droite. Ils cherchent à nouer des amitiés juste par des intérêts particuliers. Ils cherchent certaines relations parce qu'ils veulent toujours que par quelqu'un ils peuvent percer. Mais l'Esprit de Dieu qui parle en ce moment, en ces lieux, veut te dire qu'il peut te donner la réponse à ces cinq questions pour que tu découvres et vives ton destin. Il ne faut pas avancer sans avoir la réponse à ces cinq questions. Pendant que je suis en train de faire cette déclaration, je sais une chose, que beaucoup de personnes vont avoir la révélation pour ne plus vivre dans l'hésitation. Je sais que beaucoup de personnes vont avoir des révélations. Bien aimé, ne te trompe pas à toi-même. Si tu n'as pas la réponse à l'une ou l'autre de ces cinq questions, arrête-toi et dis mon Dieu. Parle-moi. Je ne veux plus agir par hasard. Mais l'Esprit de Dieu m'a créé. Qui suis-je? De quoi suis-je capable? Quel est mon potentiel? Qu'il me te révèle tous les dons qu'il y a. Je suis en train d'aller où dans la vie? Et avec qui je vais le faire? Je suis en train de déclarer quelque chose qui va affecter votre avenir. Dès que tu as la réponse à ces questions, ta vie ne sera plus une hésitation. Je déclare que tu n'es plus sous la malédiction. Au nom puissant de Jésus, je déclare que rien ne peut t'arrêter dans la vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tu es un homme et une femme de distinction. Au nom puissant de Jésus, je déclare que personne ne va te louer, ne te rouler dans la vie. Et tout ce que tu vas entreprendre ne va pas échouer. Parce que ta source est en Dieu, celui qui n'échoue jamais. Si ton Dieu n'échoue jamais, et si tu es le temple de ces dieux-là, toi non plus tu ne vas jamais échouer. Je déclare une vie de succès. Je déclare une vie de réussite. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi n'échoue jamais. Il est le tout puissant. Je déclare que tu vas braver la malédiction. Même si dans ta famille jamais personne n'a réussi, toi, tu vas braver la malédiction. Même si on a dit que dans sa famille personne ne peut aller de l'avant, toi, tu vas braver la malédiction. Même si on dit que chez eux il meurt à 35 ans, toi, tu vas braver la malédiction. Même si on dit que dans leur famille il n'y a jamais de ministre, toi, tu vas braver la malédiction. Même si on dit que les maladies chroniques ici, ils en meurent,
kuna malade kufa na bango. Toi tu as bravé la malédiction. Yoko longa likambo. L'esprit de Dieu m'a créé. Molimo na nzambe ndeke na ngai. Je sais qui je suis. Na yebi na nzali. Je sais qui je suis. Na yebi na nzali. Je sais qui je suis. Na yebi na zanani. Je sais qui je suis. Na yebi na nzali. Par la puissance du Saint-Esprit. Na nguya ya molimo au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu as eu cette maladie du fait que dans ta famille tout le monde en a. Soko za na bomo likono na ke. Et on dit que c'est héréditaire. Si tu sais aujourd'hui en qui tu es créé, cette maladie va te quitter. Cette maladie héréditaire va te quitter. Maladie en exotique. Par la puissance du Saint-Esprit. Nanguya moni mo sang. Jésus est en ces lieux. Yesu aza na esiko. Le Saint-Esprit de Dieu agit en ces lieux. Alléluia. Rien ne va te bloquer. Rien ne va t'arrêter. Rien ne va t'intimider. Rien ne va t'appauvrir. Parce que l'Esprit est en toi. L'Esprit du Tout-Puissant t'anime. C'est une grâce qui est répandue en ces lieux. Elle se manifeste et celui qui les reçoit. Alléluia. Il reçoit la puissance. Alléluia. C'est parti sur toi. Alléluia. Pour la gloire. Alléluia. Au nom de Jésus. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le roi de Dieu? Est-ce que tu ne peux pas acclamer le roi de Dieu? Alléluia. Yes! We are the chosen generation. God for to show his excellence. Le Seigneur soit loué. Ceux qui connaissent leur Dieu agissent avec fermeté. Maintenant que vous connaissez votre Dieu et que c'est lui qui vous a créé, il est votre source, et que son souffle vous anime, que rien ne vous intimide ni ne vous empêche d'être qui vous devez être dans la vie. Que le Seigneur soit loué et que ceci vous accompagne tous les jours. Et vous allez accomplir la mission pour laquelle Dieu vous a créé. Je sais qui je suis. Mes frères et sœurs, aimons le Seigneur Jésus, servons-le. Et l'Esprit de Dieu qui habite en nous, nous en devenons le temple. C'est pour accomplir des exploits et finir notre destin. Que Dieu soit loué, lui qui a permis que nous puissions pénétrer la révélation de ces merveilles. Je ne veux pas terminer sans vous dire que je voudrais vous inviter à nous joindre à Logos Rema. Nous sommes sur l'avenue Sayo dans la commune de Kasavubu, à Kinshasa. Tous les dimanches, trois cultes. Le premier à Lingala à 7h30. Il se termine à 9h30 et nous avons la Sainte Cène jusqu'à 10h45, 11h et nous commençons à 11h, le culte en français qui va se terminer à 12h30 avec louange, adoration, une parole puissante et prêchée, ne manquez pas. Et à 17h, nous venons pour notre service en anglais. Venez, servons le roi des rois. Et ce culte de 17h se termine à 19h30 et vous avez de quoi être heureux et de commencer la semaine bénie. Que le Seigneur vous bénisse et témoignez autour de vous. Gagnez des âmes, servons le Seigneur. Je vous remercie.